Hey, salut tout le monde, c'est Tapis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, donc j'ai pas fait quelques vidéos depuis une bonne semaine là parce que j'étais un petit peu malade, donc je m'en excuse. Mais donc voilà, on est reparti de plus belle. Donc aujourd'hui ça va être un tuto assez impressionnant, si je peux dire ça comme ça. Donc on va s'intéresser aux PC sur mesure. Donc comme vous faites vos PC fixes la plupart du temps, eh ben, on peut le faire maintenant, mais c'est un petit peu cher, comme je vais vous le montrer après, sur les PC portables. Donc, on va tout de suite se rendre sur Internet, donc avec votre navigateur préféré. Donc là, vous allez taper Clevo, donc Clevo, sur Google, premier lien, donc Clevo homepage, donc c'est pcw.fr. Donc voilà, vous arrivez sur ce site-là. Et donc là, vous allez voir, je vais vite fait vous expliquer le concept. Donc là, tout d'abord, vous avez un tas de liens. Donc là, ils vendent aussi des PC fixes sur ce site. Ils vendent aussi les composants, les accessoires et tout. Mais on va pas s'intéresser à ça, non, on va plutôt s'intéresser au PC portable. Donc ici, si vous cliquez sur PC portable, donc vous voyez, vous avez pack complet, portable sur mesure, gamer, etc. Donc nous, on va plutôt s'intéresser aux tailles. Donc imaginons, je vais me faire passer pour un acheteur. Allez, moi je veux un PC 15 pouces. Donc je clique sur 15 pouces. Voilà. Et là, donc là j'ai un choix de PC. Donc j'en ai pas beaucoup. Vous voyez que j'en ai que 8, 10, 12. Ouais, à peu près 12, 12 articles. Et donc là, vous allez comprendre. En fait, vous avez une base à partir de 430 euros. C'est-à-dire que si par exemple je prends ce PC-là. Non, on va plutôt prendre celui-là, pardon, il est plus complet, voilà. Donc si je base à partir de 547 euros, donc c'est-à-dire que le PC tel qu'il est, il va coûter 547 euros. Donc la base, elle contient ça. Elle contient un écran 15 pouces ou en option 17 pouces, LED, Full HD, etc. Une carte graphique Intel HD 4000 plus une 635 et tout le reste. Donc si j'ajoute au panier, vous allez voir que là, tout en bas de la page, enfin dès que vous commencez à descendre, vous avez toutes les options possibles en fait. Donc là, vous voyez que de base sur l'ordinateur là, j'ai un vieux processeur, donc Intel B800 machin, donc c'est vraiment pas super. Et donc là, vous voyez que choix d'écran, je peux déjà choisir mon écran, donc si je veux, je peux mettre un 15 pouces en Full HD déjà. Ensuite, mais vous voyez qu'après, voilà, là il y a le prix, il y a le détail, etc. Donc voilà, donc là si je veux je peux mettre aussi allez, un petit i5. Hop, je rajoute un i5. Là j'ai 4 Go de RAM, imaginons que je veux le passer à 8 en 2 barrettes en 1600. Hop, je mets ça. Imaginons que maintenant je veux un petit SSD dessus de 200 Go, 256 Go. Hop, on rajoute. Ensuite, alors là je vais vous expliquer ça un petit peu dans une autre vidéo en fait. Hop, non, en fait, là je vais laisser ce disque dur là. Je vais surtout m'attarder sur ça dans une prochaine vidéo si vous voulez. C'est ce qu'on appelle un rack slim qu'on met à la place de son lecteur DVD et on peut rajouter un deuxième disque dur. Je vais vous faire une vidéo dans quelques jours sur ça parce que j'ai acheté ça et ça marche juste du tonnerre. C'est vraiment incroyable. Donc, ça, je vais faire une petite vidéo. Ça, c'était une petite parenthèse. Voilà. Donc, on peut rajouter donc des lecteurs Blu-ray. On peut rajouter aussi un deuxième disque dur. On peut rajouter un OS, mais bon, vu le prix, voilà, on peut en obtenir avec des moyens un petit peu moins légaux, mais bon, ça, je ne rentre pas dans les détails. On peut avoir bien sûr des suites Office, des logiciels, quoi, des antivirus, etc. Une meilleure carte Wi-Fi. On peut aussi avoir une batterie supplémentaire ou un adaptateur ou autre. Une imprimante ou autre. On peut changer de clavier, on peut prendre un AZERTY ou etc. Donc là, vous voyez, avec toutes les caractéristiques que j'ai ajoutées, voilà, j'en ai pour 926 euros. Donc, pour récapituler, là, moi, j'ai pris un i5 avec fourni de base une 635M. Voilà, mais maintenant, si je veux vraiment un 17 pouces, donc là, vous voyez que quand même, c'est un petit peu cher, hein, tout de même. Donc là, voilà, je vais prendre celui-là, par exemple. Donc la base à 699 euros, 599, pardon, excusez-moi. Là, de fourni, j'ai rien en fait. Voilà, donc là, je vais ajouter par exemple un écran en Full HD mat LED. Non, non, on va pas le mettre comme ça. Je vais prendre un i7.
Voilà, donc pareil, on va reprendre la RAM. Enfin, j'espère que vous avez compris le principe, hein. Après, vous choisissez votre tout votre RAM, etc. Donc voilà le principe. Ensuite, autre petite caractéristique, quand vous retournez dans l'accueil, là vous avez carrément des kits. C'est toujours pareil en fait, quand vous avez portable sur mesure, c'est exactement pareil, hein, vous allez voir. C'est les mêmes, hein, sauf que je sais pas pourquoi ils ont voulu classer ça dans d'autres catégories. À gauche, vous pouvez aussi filtrer par selon ce que vous voulez, quoi. On peut également aller dans le PC Gamer. Très bonne astuce, parce que là déjà vous avez des bases plutôt conséquentes. Plus vous avez des très bonnes options que vous pouvez ajouter. Voilà, donc imaginons qu'on prenne celui-là. Vous voyez que là il est quand même très très cher, hein, 1007 €, 1107 € de base, en sachant qu'il y a déjà une 765 de base, voilà. Donc là on peut rajouter aussi également voilà les derniers processeurs Aswell. Donc les derniers processeurs, voilà, donc pour 279 €. Mais donc on rajoute Go de RAM, 8 Go de RAM, hop, on a déjà un SSD dedans, on a déjà. Hop, on rajoute un petit disque dur. Voilà, donc là on en a tout de suite pour 1200 €. Voilà, donc c'est assez cher tout de même, mais on peut vraiment se faire plaisir, mais on peut très bien rester dans les prix plus raisonnables. Donc si on prend par exemple des PC complets ou autres, enfin, on peut vraiment être très content d'un PC qui, je pense, vers les 700-800 €. Hein. Je pense qu'on peut pas vraiment descendre en dessous dans ce genre de PC là. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer ce site qui est pour moi très bien, mais il faut avoir quand même un bon budget. Hein. Et aussi, vous pouvez aussi acheter les composants ici. Donc ce que je voulais aussi aborder, c'est les cartes vidéo. Donc vous pouvez acheter des cartes pour PC. Voilà, donc vous pouvez acheter par exemple une 560M. Voilà, donc c'est du MXM3, hein, c'est pas. Vous pouvez ajouter ça sur votre PC si vous avez un port de libre ou si vous enlevez la vôtre, mais ça devient très vite cher. Hein. Regardez, la 580M à 749 €. Autrement dit, autant racheter un PC portable. Hein. Honnêtement, je trouve que, voilà, comme je l'avais déjà expliqué dans une ancienne vidéo, changer une carte graphique sur PC portable, c'est possible, mais ça coûte très très cher. Donc voilà, après c'est à vous de voir si vous avez les moyens. Vous pouvez aussi, je pense, acheter des processeurs ouais, directement en pièces détachées, voilà. Après on peut trouver ça aussi sur d'autres sites, je pense. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous montrer qu'on pouvait maintenant, enfin maintenant, on peut le faire depuis un certain moment, mais ça marche très bien. Je sais que j'ai un collègue qui l'a fait. Et bon, les PC sont pas très beaux, hein, je vous avouerai. Mais voilà, si on peut custo un petit peu en mettant le clavier rétroéclairé multicolore comme le font les MSI. Donc voilà, c'était une petite astuce, petit tuto. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vais vous dire ciao, à la bye bye. Pardon, ciao, bye bye, à la prochaine. Et portez-vous bien, ciao, ciao.